Voilà, donc j'ai remonté la réplique dans son intégralité. Et avant de mettre une sparklette, je vais juste vous donner deux, trois petites précisions. Alors, quand vous allez mettre votre ligne pour la première fois, vous avez remarqué que quand on insère, ça bloque déjà, vous voyez? Ça bloque déjà. Mais si vous laissez justement au premier cran, quand vous allez insérer la sparklette, il va y avoir une fuite. Donc, c'est pas efficace. Il faut vraiment appuyer à fond, voilà, pour aller en butée. Et là c'est bien. Deuxième chose aussi. Alors deuxième chose, je vais vous montrer quelque chose. On va rester précis. Voilà. Alors quand au début de cette vidéo, donc j'ai installé le kit dans son intégralité, à cet endroit-là, j'avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sens. En fait, quand vous allez mettre l'aiguille avec le piston et tout avec le ressort, il y a deux pas de vis qui ont le même diamètre, un sur le côté droit et un sur le côté gauche. Alors, il y a quand même un sens, parce que sur cette aiguille, vous regarderez bien lors du montage, il y a un pas de vis où on voit le fond du pas de vis, tout simplement, et un autre où c'est tout noir, en fait, ça, l'air va rentrer par là. Et bien sûr, je l'ai inséré du mauvais côté. Ça, c'est toujours normal, hein, première fois, première connerie, c'est pour moi. Donc, avant d'insérer votre aiguille, sur le côté gauche, vérifiez bien que c'est le pas de vis, on va dire, vide. Et ne mettez pas le pas de vis plein, sinon l'air ne passera pas, tout simplement. Et ça va dégazer au niveau du régulateur, donc c'est vraiment pas top. Voilà, donc on va revenir sur l'insertion de la sparklette, n'est-ce pas? Alors, rien de tout simple, une fois que vous avez mis votre ligne, vous enlevez l'adaptateur, vous mettez une sparklette neuve. Moi, je vous conseille toujours d'aller à la première butée avant de serrer comme un bourrin. Voilà. Donc déjà, pas de fuite. Et on voit que le régulateur, on est légèrement monté en pression. On est en dessous des 5 bars de pression. Et donc, on va revenir ici. Alors avec la caméra, c'est pas facile. Voilà. Donc, l'armement. Et voilà. Voilà, ça fonctionne. Et au niveau du régulateur, j'ai vu des vidéos de l'ancien régulateur. À chaque tir, l'aiguille, elle bougeait comme ça. Alors, je vais armer. Voilà. On va regarder le régulateur. Je sais pas si on voit bien. On va peut-être faire un petit zoom, hein, comme ça on sera un peu plus précis, on va dire. Voilà, on va faire le point. Si ça veut bien, bien sûr. Voilà. Donc, regardez bien le nanomètre. Ça bouge pas. On va refaire. Va mettre un peu plus de lumière. Voilà. Voilà, donc la pression est stable sur ce nouveau régulateur. Donc effectivement, Minecraft a vraiment bien assuré sur ce coup-là. Il nous sort un régulateur qui fonctionne vraiment mieux que le précédent. C'était vraiment ce que j'avais souvent lu par rapport à l'ancienne version de ce régulateur. Donc là, au niveau du réglage, j'ai bon quand le chapeau, enfin quand la vis de réglage est tout en haut, c'est que vous avez une pression
quasi nulle. Et plus vous allez visser vers le corps, et plus la pression va augmenter. Donc là, j'ai à peine, vous voyez, on voit encore que l'interstice ici, il est vraiment encore presque vide. Il n'est pas encore vraiment en pression forte. Donc ça, c'est avec, comme le kit est envoyé, avec le power booster qui se trouve à ce niveau-là. D'origine, le gros ressort que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, je vais faire un passage au chrony comme ça, d'origine. Et une fois que j'aurai fini, je vais essayer ce power booster qui est donc différent, ressort plus petit et réduction de l'interne à ce niveau-là pour voir s'il y a réellement une différence de FPS. Donc là, bien entendu, le hop-up est à 0. Je vais utiliser les billes de 0,20 et on va se faire une petite série de 10-12 tirs tranquillos pour voir. Donc là on est à 0, enfin on est à entre 3 et 5 bars, donc vraiment le minimum. Et on va donc tester la puissance en sortie avec avec cette pression. Voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes avec le chrony branché et les billes dans le chargeur. Voilà, donc on va tester, donc je vous dis, donc le réglage est à 3 bars, billes 0,20, hop-up à 0, et on va voir effectivement, voilà, donc vous voyez, le HPA, contrairement aux idées reçues, on peut avoir des, bon, il y a des variations de puissance, bien entendu, je m'y attendais. Ça, je pense que c'est inhérent au CO2, beaucoup moins à l'air comprimé en bouteille. Alors bien sûr, par contre, prendre une mesure au chrony, je vous conseille de mettre le canon dedans. Voilà, moins de variation, c'est sûr que le calcul est plus précis. Voilà, donc effectivement, il y a quand même une variation, on va dire, de 290 FPS à 325 de mémoire. Donc il y a effectivement, je pense, c'est assez irrégulier, on va dire, quand même, malgré tout. Mais ce que je voulais surtout tester, c'était la pression minimum. Donc là, on va monter le régulateur, je sais pas si on va voir là. Attendez, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà, donc j'ai monté le régulateur à 5 bars. Voilà. Donc 2 bars de plus, et pour voir ce que ça va donner. Un petit peu, voilà. ...437. Donc c'est bien ce que j'avais lu aussi sur un forum polonais, que en dessous de 5 bars, il y a une fluctuation de l'air comprimé. Et effectivement, à basse puissance, ah ben j'ai plus de billes. Donc on va recharger. Ouais, donc je disais, apparemment, inférieur à 5 bars, le régulateur en fait a du mal à libérer toujours la même puissance. Et à partir de 4 bars, je crois, c'est le calcul qui a été fait sur ce site. Ils ont vraiment fait le tout précis.
à partir de 4,1 bar, et après jusqu'à l'infini, on va dire, il y avait vraiment une constance largement supérieure . Vous voyez, c'est déjà plus régulier. 427, 428, 430, 440, 428, 430, 433, 422, 428. Ah, oui, c'est le chrony bouge. Voilà. Donc vous voyez, quand on augmente un petit peu, donc là maintenant on va essayer de monter encore un peu plus pour trouver la limite des 2 joules, parce que c'est un peu ce qui nous importe, savoir si on peut atteindre les 2 joules assez facilement. Donc là je suis monté à 1 bar de plus, 6 bars, 478, on est au-dessus des 2 joules. Par contre, la régularité augmente avec la puissance. Vous voyez ? Voilà. Donc, on va essayer de trouver le 460 et des bananes. Alors, on va rebaisser un petit peu. Voilà, j'ai fait 2-3 petits tours en arrière. Jamais atteindre le 465, ce serait cool. 438. Donc là, j'ai un petit peu trop baissé. Mais bon, déjà, si on atteint 440 à peu près de façon régulière, 454, 440, 450. Alors mon chrony est un petit peu chiant, parce que dès qu'on n'est pas dans l'axe, il fait des trucs bizarres. 444. On va légèrement augmenter. Pour essayer de trouver le 460, quoi. Les 2 joules. 468. Vous voyez, c'est vraiment au poil de cul, hein. Voilà, on y est, je crois. Ouais, ça me paraît pas mal là. Alors, pour info, alors on va se refaire un petit contrôle de nano. Voilà, on éclaire un peu mieux pour la lecture. Voilà, je suis juste au-dessus du 5 bar. Je dois être à 5,5 ou 6 maximum. Et là on est à une puissance jouable. Alors bien sûr, j'y reviendrai lors des tests de tir. Donc il y aura 2 séances de tests de tir. Aujourd'hui ça va être, on va dire, sur 30 mètres pour voir la précision de ma nouvelle configuration. Et à partir de, je pense, jeudi ou vendredi, peut-être même demain, je ne sais pas. Je me déplacerai malgré ma jambe cassée sur un terrain, un pas de tir beaucoup plus long. On pourra tirer à 70 et 80 mètres. Donc il y aura des tests faits avec le kit Minecraft à partir de demain ou après-demain. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que effectivement. Le problème du HPA actuellement, c'est pas sa fonction, c'est pas c'est pas le HPA qui gêne, hein. C'est qu'en fait beaucoup de joueurs apprécieraient de jouer avec du HPA pour beaucoup de raisons. À la fin de cette vidéo, je ferai un pour et contre. Ce sera bien sûr mon avis personnel, hein, ce sera pas du tout quelque chose de général, mais par contre il est vrai que le seul truc qui gêne certains joueurs, c'est que grâce au nanomètre, on va pouvoir en partie augmenter la puissance. Bon, ceci étant dit, quand vous tirez en 0,36 ou en 0,40 à 450, 460 FPS en 0,20, mesure en 0,20, je précise, comme ce qui a été le cas ici,
Si vous augmentez trop, de toute façon, même en baissant le hop-up à zéro, vos billes vont s'envoler. Hein, donc il n'y aura aucun intérêt d'augmenter la puissance. Maintenant, effectivement, il existe des capuchons vendus par Minecraft que vous mettez par-dessus. Et à l'aide d'un serflex, ça immobilise comment dirais-je, la vis de réglage. Donc je n'ai pas cet embout, mais sachez qu'il existe. Donc si vous jouez dans votre propre association, que tout le monde vous connaît, etc., je ne pense pas qu'il y ait réellement de soucis. La confiance établie, à mon avis, est suffisante pour laisser les gens jouer avec le mode de propulsion qu'ils veulent. Au-delà de ça, si vous allez sur une OP, etc., bon, procurez-vous auprès de Minecraft ce capuchon de protection spécial tournoi, ça va tranquilliser tout le monde, parce qu'en définitive, le HPA, c'est quoi? C'est de l'air comprimé. Et depuis de nombreuses années, je connais des joueurs qui jouent avec des répliques du type M700, KJWorks, etc., etc. Et aucun ne se plaint de la puissance des répliques à gaz. J'ai même connu des gens qui jouaient avec du M200 Chetak, qui était quand même réputé pour être une réplique assez velue. Donc, il n'y a pas de raison. En fait, ça reste le même système, sauf que c'est plus fiable. Il y a moins de problèmes de fuite. Minecraft nous prouve ici effectivement que en ayant appris de ses erreurs avec l'ancien régulateur par rapport au nouveau régulateur, ça marche parfaitement bien. C'est régulier. Voilà, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Maintenant, effectivement, certains diront que le vrai snipe se joue au spring. C'est plus réaliste, etc. Maintenant, je l'ai dit, je crois, je ne sais plus à qui exactement, à un de mes abonnés sur ma page Facebook. Moi perso, je fais un petit peu de tir sportif avec des armes réelles, donc des vrais fusils, hein, comme des M24, des petits Sterogmannlicher, tout ça, bon, etc., etc. En 300, 308 Magnum, même en 30-30 et en calibre 44, l'armement d'une culasse d'un fusil réel prend deux fois moins de temps que le réarmement d'un sniper Spring Airsoft. Alors que là, effectivement, l'armement de la culasse avec un système HPA prend autant de temps qu'un fusil réel. Autre avantage aussi, à mon avis, c'est le silence, malgré tout. Là, on s'en rend pas bien compte s'il n'y a pas de silencieux. Mais de par l'air propulsé, avec mon silencieux, c'est extrêmement silencieux, c'est un son beaucoup plus sourd. Il n'y a pas de ce claquement métallique du piston, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour un sniper d'être silencieux. D'ailleurs, il y avait parfois des snipers qui utilisent le mot silent and deadly, donc silencieux et mortel. C'est aussi un des attraits du snipe, c'est de ne pas faire de bruit, d'avoir une bonne portée, une bonne précision. Donc c'est un peu la fonction du sniper dans une équipe, c'est ça, c'est de ne pas être vu, de ne pas être entendu et de faire des shoots précis pour aider justement l'ensemble de la team. Voilà, donc je ferai de toute façon un pour et contre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le mode HPA. Là maintenant, on va faire des tests de tir en extérieur, donc à une distance de 30 mètres sur une cible de 14 cm sur 14. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes à l'extérieur. Alors voilà, on se retrouve en extérieur donc, et j'ai décidé que je ne ferai pas de test de tir de précision aujourd'hui. Je préfère les faire demain ou après-demain, à l'endroit où je vous ai parlé tout à l'heure, où il y aura des tirs à 30, 40, 50, 70 et peut-être même 80, avec précision, j'espère. Donc là, ce que je vais juste vous montrer, ça va être l'utilisation en fait du snipe. Autre précision, j'allais oublier. Je me suis rendu compte tout à l'heure, j'ai fait quelques tests hors caméra, avec le hop-up réglé comme au préalable, hein, quand j'étais encore en mode spring à 458 FPS avec de la 0,20, où j'avais effectivement une droite ligne super. Et sur mon terrain, en fait, le dernier arbre visible que j'ai fait mesurer au télémètre est à 72 mètres. Donc effectivement, mes billes y allaient.
et commencer légèrement à plonger après la ligne droite et la légère petite remontée du hop-up. Et là, je me suis rendu compte, alors je pense qu'effectivement, comme il n'y a plus ce souci de capacité d'air du cylindre, que là, tout le canon est rempli d'air, je me suis rendu compte effectivement que les billes levaient, mais non pas avant les 110 mètres, mais après. C'est un peu gênant. Donc j'ai baissé le hop-up à zéro, ça descend un peu moins, ça monte un peu moins, pardon, mais par contre c'est toujours pareil, ça monte trop fort. N'ayant pas de 0,40 et de 0,43, j'ai pas pu tester qu'un grammage plus lourd, mais donc là en définitive j'ai carrément viré la vis de réglage, et c'est pareil, que ce soit hop-up à zéro ou hop-up réglé, hop-up réglé c'était encore pire, hein, c'était carrément je satellisais les billes. Donc je me suis amusé à mesurer, en fait. J'ai pensé par rapport au joint que j'utilise, je rappelle, c'est un Maple Leaf Decepticon 60 degrés, la petite bague en acier qui se met autour, qui sert à l'étanchéité. J'ai mesuré donc le diamètre de la tête de cylindre originale et celle qui est fournie avec le kit Minecraft. Celle du kit Minecraft est 0,2 mm plus large en diamètre. Alors je me suis dit que peut-être ça avait une incidence. Parce que les FPS, ils n'ont pas bougé. J'ai même baissé sur le nanomètre en dessous des 5 bars pour être à 445 FPS, au lieu des 460 et des bananes que j'avais pendant le test chrony tout à l'heure. Il va falloir que je démonte en fait le canon, que je vérifie le joint, que je vire. Je vais enlever en fait la bague en métal pour voir si ça a une incidence ou pas. Après, trouver le joint qui va avec. Enfin bon, il y a forcément une solution. À chaque problème, il y a une solution. Voilà. Je récapitule rapidement maintenant de quoi est composé mon Striker. Donc, kit Minecraft SDIK pour le Striker, bien sûr. Canon Action Army 601 en 550 mm. Joint hop-up Maple Leaf Decepticon 60 degrés. Je n'ai pas changé de bloc hop-up, pas pour l'instant en tout cas. Je testerai prochainement dans une autre vidéo le bloc de chez Action Army. Avec donc cette même configuration. Écoutez, quoi d'autre? Rien. L'amortissement de mon silencieux, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à y aller justement pour essayer de faire la même chose, parce que c'est vraiment efficace, surtout maintenant avec ça. Vous allez voir, je vais faire un test sans billes et avec billes, vous allez voir que le son est sincèrement hyper, hyper sympa. Autre chose que j'ai aussi fait, que je n'avais jamais dit dans ma vidéo, j'ai changé le ressort en fait du bloc détente. J'ai mis un ressort beaucoup plus long et beaucoup plus mou. Je ne dirais pas que c'était un ressort de stylo à billes, mais pas loin. Ce qui m'a permis en fait d'avoir, je ne sais pas si vous allez le voir d'ici, mais en fait une pré-course presque à vide, comme ça, avant le point dur. Et après, je lâche mon coup, mais vraiment, elle est ultra sensible, ce qui me permet d'éviter les coups de doigts et d'avoir éventuellement un manque de précision. Donc, il faut s'y habituer. Bon, généralement, on ne prête pas son snipe, donc chaque snipe est vraiment personnalisé. Et moi, je l'ai même personnalisé à ce niveau-là. Donc, pour revenir à l'armement, vous allez voir que par rapport, je le répète, par rapport à ce que j'avais dit aussi sur ma page Facebook, je fais parfois un peu de tir, tout ça, bon. C'est l'armement d'une classe de vrai fusil, c'est moins dur qu'un spring. Si vous me prouvez le contraire un jour, je vous croirais, mais bon, pour l'ayant fait avec des culasses en 300 magnum, on arme ça avec un doigt, il n'y a aucune résistance. Donc effectivement, le HPA se rapproche de ce côté un peu réaliste, même si la course est beaucoup moindre, mais on gagne en vitesse, et ce qui nous permet justement de garder l'œil dans son organe de visée, et de ne pas réarmer comme ça, de revenir comme ça, de chercher la mire. Non, là, vous pouvez vraiment rester calé, armé, et continuer à viser. Donc l'armement, vous voyez, voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. Et au niveau du bruit, alors bien sûr, peut-être qu'au micro, les micros des caméras, des téléphones, ont une tendance à augmenter l'impact des aigus par rapport aux autres fréquences, mais là je peux vous garantir que à l'oreille comme ça, il n'y a plus le claquement métallique, même amorti du piston dans un sniper traditionnel. On n'a vraiment que du médium et des graves à vide avec des billes. Voilà, avec des billes maintenant. Voilà. Et en visant, regardez, donc là je vise mon arbre qui est environ 40 mètres.
Alors ça bouge bien sûr, mais j'ai toujours l'œil sur ma cible. Et ça, c'est génial. Alors pour clôturer cette vidéo, bien sûr, bah, les pour et les contre. Bon, je ferai une petite liste écrite, ce sera plus simple. Mais écoutez, en contre, j'ai pas grand chose à dire. L'installation est facile. Deux, trois astuces, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la du sens des vis en fait, qui vont ici et ici. Il faut mettre là où le pas de vis est creux pour mettre l'entrée de la ligne. Sinon, bah, effectivement, l'air va rester là-dedans et ça ne marchera pas. Donc, il n'y a que ça à faire. Après, bon, l'insertion de la ligne ici, bien enfoncée au fond. Le réglage se fait simplement. Le système de purge est très pratique. L'autonomie. Ah oui, l'autonomie, j'en ai pas parlé. J'ai tiré quelques petits chargeurs avant de clôturer cette vidéo. Trois chargeurs de 50 coups avec une sparklet, ce qui correspond à 150 billes, avec une puissance oscillant entre 440 et 460 fps. Donc, super bonne autonomie, pas de fuite. Donc, je trouve quand même que Minecraft a mis des bouchées doubles pour nous fournir ce nouveau régulateur, qui est largement meilleur que le premier. Et j'invite vraiment à tous ceux qui avaient l'ancien régulateur de juste changer ça, parce que c'est génial. Vraiment, ça marche très très bien. Donc, l'installation est rapide. C'est silencieux, c'est fiable, ça s'arme vite, il n'y a plus de contraintes mécaniques. En termes d'usure, bah, il n'y en a plus non plus. Le HPA a beaucoup d'avantages, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Enfin, le seul, je dirais, truc que les gens soulèvent, ceux qui ne sont pas d'accord, oui, ça, c'est pour les tricheurs, parce qu'on augmente la puissance comme on veut. Oui, c'est vrai. Celui qui veut tricher, trichera toujours de toute manière. Il ne se déclarera pas out, il va avoir un ressort quick change sur son AEG pour mettre un M140 pour bananer un peu plus fort. Il y a toujours eu des tricheurs, il y en aura toujours. Quelle que soit la technologie employée, il y en aura toujours. Donc c'est un faux problème de dire que le HPA est fait pour les tricheurs. Je trouve ça complètement ridicule de le dire. Et les assos qui disent « toi t'es un HPA, tu te casses », eh ben moi si on me le dit un jour, je dirais bah, « ciao, bonsoir, au revoir ». Il faut qu'il y ait un peu de confiance, c'est sur le fair play, l'airsoft. Donc si on passe une fois pour un gros tricheur, ben, on ne sera plus invité du tout. Donc il faut aussi penser à ça. Après, je le répète, Minecraft fournit un bouchon pour les tournois qu'on met ici. Donc on fait le réglage, on tire devant le président de l'association qui nous invite, ou le tournoi organisé, l'OP, etc. Une fois que c'est réglé devant le jury, s'il faut un jury, hein, c'est à ce niveau-là, on est quasiment à ce niveau-là, je vous le dis. Hein. Vous mettez votre capuchon, le serflex et roule ma poule. Fini, terminé, on vous ennuie plus, vous pouvez jouer avec votre kit HPA. Je rappelle aussi quand même, depuis des années, il y a des gens qui jouent avec des M700 KG Works, des KC02 de chez KG aussi, des M700, des M200, tout ça, à gaz. Ben, on les a jamais trop emmerdés, hein, bon, à part les Tanaka qui tapaient à 700, mais bon, si la réplique a été modifiée avec des réducteurs de puissance, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est un. Je reviendrai sur un jour, je ferai un petit débat, un petit live carrément sur le pour et contre HPA. Ça risque d'être marrant. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être même incité à passer le pas. C'est très simple à installer, je le répète. Ça marche très très bien. C'est agréable comme tout. Et je dirais que là, on a vraiment une impression de jouer Snipe d'une façon vraiment différente et presque plus réaliste qu'avec le string, oui aussi, mais le spring surtout. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vais revenir après donc sur les tests avec ce réglage de hop-up qui me pose un petit souci quand même malgré tout, donc ça je reviendrai dessus, et dans les jours qui viennent, test de précision et de portée, avec ma configuration et bien sûr le kit HPA Minecraft. Minecraft que je remercie d'ailleurs vivement de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé tout ce matériel. Je les remercierai jamais assez et j'espère qu'ils me prêteront d'autres produits pour que je puisse continuer à tester leurs produits qui me semblent vraiment de mieux en mieux. Voilà, merci à tous, à très bientôt et soyez prudents. Ciao.